Pakiwanja. Pakiwanja. Aya, karibu tena katika hii emission ya siku ya leo basi. Mtajua kwamba tutapokelea International U23 wa RDC anaitwa Gael Kakuji pamoja na nyinyi wote wa sportif mwanatufata. Tutamdécouvrir Gael Kakuji antoka wapi, Gael Kakuji ni mzaliwa wapi, Gael Kakuji anachezaka kwa ekipe kani kule Kubulaya, Gael Kakuji ni originaire wa province kani. Aya basi pamoja na technique yote pamoja, tutamdécouvrir Gael Kakuji. Pas plateau et tout, il y a pas Kiwanja. Bonjour Gael Kakuji. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci, merci beaucoup pour cette invitation que nous avons demandé via ta personnalité et tu es venu nous rejoindre dans notre émission Pakiwanja, une émission qui se passe en Swahili. Comme tu ne connais pas bien Swahili, on va parler en français. Comment tu te sens dans cette émission? Je me sens très bien. Je suis très content de revenir dans ma ville. Et, ça me fait vraiment plaisir de faire des émissions ici, surtout dans ce cadre qui est l'Académie Jolicite. C'est là où j'ai commencé à jouer, donc c'est très fort pour moi de revenir ici. Merci Gael. Mlantoro Fata Gael Kakuji, à qui on a m'expliqué. Et qu'on a fera, fika katika y ville tena Lubumbashi parce que une ville natale yake. Gael Kakuji, on commence déjà notre émission. Gael Kakuji, tu vas expliquer à tous nos téléspectateurs, surtout les sportifs qui ne te connaissent pas bien ici à Lubumbashi, et ceux-là qui te connaissent bien. Tu es né où? Tu viens de quelle famille? Tu es quantième dans la famille? Donc voilà, moi, je suis né à Liège, en Belgique, mais j'ai grandi ici durant mes 4 premières années à Lubumbashi. J'ai une grande sœur et une petite sœur, mais j'ai aussi deux petits frères et encore des frères et une grande sœur. On a une grande famille, donc voilà. On peut connaître les noms de la maman et du papa? Oui, ma mère c'est Laurence Wouters, elle habite en Belgique, elle a vécu aussi avec moi ici durant mes 4 premières années. Et mon père, c'est Gaëtan David Kakuji. David Kakuji. Oui. C'est le nom de papa. Il est originaire de cette province. Également. Si je ne m'abuse pas. Oui, il habite ici aussi. Okay. Merci. Gael Kakuji, notre deuxième question. On peut savoir, Gael Kakuji a commencé où avec le monde sportif? Donc voilà, moi j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai d'abord commencé le football à 7-8 ans. Et puis je me suis dirigé vers la boxe et le rugby, pour ensuite reprendre le football à l'âge de 14-15 ans dans le club de RFC Serein, division 3 en Belgique. Et ensuite j'ai été transféré à la Gantoise, club de division 1 en Belgique, pour ensuite j'ai signé à Anvers, donc c'était l'année dernière, et j'ai signé 2 ans et demi. Contrat professionnel en Antwerp. Avec tous les sportifs qui nous suivent, c'est-à-dire Gael Kakuji, c'est un produit de l'académie ou bien c'est parmi aussi les passionnés du football ou bien qu'est-ce que tu vas parler à tous les sportifs qui nous suivent? Ouais, moi je suis un pur produit de l'académie Jolicite. C'est là que j'ai pris le goût au football. Quel Jolicite? Jolicite de Lubumbashi? C'est Académie Eagles de Jolicite, ici même, ouais, de Lubumbashi. Ouais. Merci Gael Kakuji, tu vas nous parler ton passage dans le football. Disons, quand tu as commencé ici à Aigle Jolicite, ouais. Tu as commencé à quelle année ici à Lubumbashi? Moi j'étais venu, j'ai commencé dès que ça s'est fondé en 2013. J'ai commencé, j'ai joué et j'ai joué quelques matchs aussi, matchs amicaux. C'est là que je me suis dit dans ma tête que je veux faire ça de mon métier. Même si avant je me le disais, mais c'est là que j'ai quand même, ça a été, comment dire, un déclic. C'est quel sentiment qui t'avait poussé de quitter les boxes, les rugby pour se faire intégrer au football? Moi j'ai toujours aimé le football, mais j'ai toujours rêvé d'être footballeur, mais il me fallait aussi, le rugby ça m'a aidé dans la combativité aussi. Donc ça m'a aidé pour, en tant que défenseur, une belle agressivité, et ça m'a aidé aussi, la boxe aussi. Gael Kakuji, à chaque joueur ou bien à chaque sportif a son idole.
toi, ton idole, c'est qui dans ce monde des footballeurs? Bon, moi, j'ai beaucoup des exemples, des joueurs que j'aime bien. Je n'ai pas particulièrement une idole, mais il y a beaucoup de défenseurs que je suis. Je regarde beaucoup à la télé. On connaît tous Van Dijk, des grands défenseurs, comme Chiellini aussi, Koulibaly. C'est des exemples. Maintenant, il y a aussi, par rapport à la sélection, j'aime beaucoup Marcel Tisserand et surtout Lundama, que j'ai la chance d'avoir beaucoup. J'ai beaucoup vu ses matchs parce qu'il évolue au Standard en Belgique. Donc j'ai suivi beaucoup ses matchs et j'ai suivi aussi son évolution, qui était pour moi vraiment extraordinaire. Donc Lundama, c'est vraiment un joueur. Je veux dire, c'est quand même un exemple aussi pour moi. Parle-nous de votre équipe actuellement. Vous jouez avec Jonathan Bolingimpa et Demersin Bogan. Parle-nous de cette équipe-là. C'était comment pour qu'on puisse se mater sur toi? C'est des joueurs qui m'ont aussi donné envie de jouer aussi pour la sélection U23. Ils m'ont aussi donné beaucoup de conseils. Non, parle-nous, quand tu étais encore à l'académie, oui. Comment on est venu te solliciter comment était cette sollicitation envers cette équipe-là, envers... Moi, je suis parti de Serein, ici, Académie à Serein. Donc voilà, c'est par Serein. C'est là où on t'a vu. Ouais. Bien sûr, Gaël Kakoudji, tu vas nous parler un peu de la sélection nationale. Comment tu es arrivé jusqu'à intégrer la sélection nationale U23 de la RDC? Bon, moi je pense que c'est cette année où j'ai vraiment un peu décollé, disons, parce que j'ai signé mon contrat professionnel. J'ai fait mon entrée en équipe première dans un match de championnat contre le Cercle de Bruges. Et je pense que ces petits éléments ont joué dans ma faveur pour intégrer l'équipe des U23 de la sélection nationale. J'ai aussi beaucoup joué avec l'équipe réserve pour le temps de jeu, donc je pense que ça, c'est par rapport à ça aussi. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté de jouer pour la sélection U23. Parle-nous de cette disqualification de la RDC. En étant joueur de cette U23, quand tu étais en Belgique, quand tu as eu cette nouvelle-là que vous êtes disqualifié en étant pratiquant ou joueur de la RDC, tu t'es senti quoi? Comment? Je pense que comme tous les joueurs, il y avait beaucoup de déceptions. Parce que nous, on voulait aller le plus loin possible dans cette campagne, on voulait participer à la CAN, aller le plus loin possible, on avait vraiment nos chances. Mais maintenant, comme j'ai dit, il ne faut jamais regarder derrière, il faut regarder vers l'avant. Le pays a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi l'équipe première, il y a des compétitions qu'on aimerait bien faire aussi. Donc rien n'est fini, c'est juste un peu de déception, mais maintenant on regarde vers l'avant. Célibataire. Gaël Kakoudji, dans ce monde de football, nous avons des équipes rivales, l'FC Barcelone et les Real de Madrid. Ouais. De quelle équipe que tu es, de cette obédience? Donc moi, depuis tout petit, c'est plutôt vers le FC Barcelone que je soutiens plutôt cette équipe. Ouais. Je sais pas, c'est venu comme ça depuis ma jeunesse, ça a été plutôt vers le FC Barcelone. Et pour terminer, Gaël Kakoudji, quels sont tes projets après votre vie footballistique en tant que joueur? C'est quel projet que tu as là pour accompagner le football? Moi, j'ai beaucoup de projets après le foot. Ce que j'aimerais bien faire, c'est, comme ici dans des académies, investir beaucoup de mon temps. Et comme ce sera fait après ma carrière, donner de l'expérience aussi aux jeunes. J'aimerais bien que cette académie grandisse et c'est vraiment vers là que ça va se tourner pour mes projets. Un message d'encouragement à nos Léopards qui va jouer la CAN Égypte 2019. On est très confiants parce qu'on a une très très bonne équipe. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'y crois à 100%. Je pense qu'on va aller décrocher une belle place, si pas, pourquoi pas être champion carrément. Il faut,
il faut avoir de l'ambition et c'est comme ça qu'on peut faire de grandes choses. Merci beaucoup Gaël pour accepter notre invitation dans notre émission. Avec plaisir. Avec plaisir. Un dernier mot, une salutation ou quelques conseils à des joueurs ou qui se trouvent encore à l'école de foot ou bien à l'académie. Moi, comme je dis toujours, il faut toujours avoir la foi, le travail, la mentalité pour y arriver. Il faut être humble et toujours aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'on est. Quelques salutations à tout le monde qui est en train de nous regarder à ce net moment sur l'émission Pakiwanja. Continuez à suivre Pakiwanja, c'est une très belle émission et voilà, je vous souhaite la santé et voilà. Merci beaucoup. Pakiwanja. Pakiwanja. J'ai commencé à Serein, au football club de Serein. C'était un garçon, enfin, il est toujours jamais assouvi par rapport au sport. Donc le foot, il a encore été ajouté à ça, la boxe et puis le rugby. Et donc ça lui faisait des semaines sport. Après ça, il a lâché le reste pour ne faire que le foot. Et puis il est passé à la Gantoise et à l'Antwerp pour cette saison. Professionnel, c'est une étape, la prochaine étape. Pour lui, c'est encore un jeune, hein. Il a la chance d'avoir une saison exceptionnelle. Effectivement, il s'est entraîné la moitié de la saison avec le noyau A, donc avec l'équipe de Bologne, qui est l'entraîneur, évidemment, avec ses coéquipiers qui sont des internationaux A, comme le cadre de Merci Bocani, même si pour l'instant il revient à l'international, mais il a fait une saison extraordinaire. Jonathan Bolinghi, qui sont voilà, ses amis de vestiaire, évidemment, ses compatriotes de vestiaire. Donc il apprend énormément avec les vieux, auprès des vieux, mais aussi dans l'encadrement professionnel. Ce n'est qu'une étape, et vous savez, c'est lui-même en est conscient. Donc il sait, comme il dit, papa, voilà, c'est vrai, on est heureux, on a signé pro, mais je suis qu'au début de ma carrière, je n'ai encore rien prouvé. Voilà, c'est à lui d'écrire sa propre page et on lui souhaite, nous on est là comme parents pour le soutenir et l'encadrer, mais encore une fois, tout dépend de lui, avec évidemment la volonté du Tout-Puissant. Pakiwanja! Pakiwanja! Aya, aksanti kwa wa sportif wote walikuwa tufuata katika émission Pakiwanja, basi tunapigia accenti, tunapigia Loma ki prod kui réalisation ya hii émission ya Sugaleo, tunapigia cadre ya mzuri ya joli site, tunapigia Justin Odia OPJ accenti kwa hii réalisation, John Mulaji kwa hii réalisation, Gauthier Mulunda kwa hii réalisation, tunapigia supervision ya ki Pasteur Jeff Kasongo M. On a payé accent quoi qui est programmation il y a qui est Jean-Willy Kailou, on a payé accent régie finale il y a qui Roger Ngandu Wamitaba, on a payé accent quoi qui Hervé Kachama ku tusaini jili tupite katika hii entretien, basi tunamia gatena alamsiki kwa kuonana tena siku nyingine. Mimi ni Mulongo Frank Kazadi Mathieu nikiwa mtangazaji wenu wa kila siku katika hii kipindi entretien ya Pakiwanja. Accent tena bayo kwa kuonana tena siku nyingine. Comme Dieu.